Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Écoute, ça va très très bien et toi? Ça va très très bien, merci. On se retrouve pour une petite vidéo à distance puisque, comme vous le savez, on enregistre les vidéos le mercredi la plupart du temps et cette mise à jour pour l'historique est sortie le jeudi. Impossibilité du coup de vous la faire dans les temps si jamais on la faisait en réel. Donc on la fait à distance, mais il n'y aura pas de problème. On va pas s'affronter. Je vais faire l'événement Anthologie historique qui dure une semaine, je crois. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est pour fêter la mise à jour. On va pas revenir sur tout ce qui a été mis en place parce qu'on a déjà fait une vidéo qui explique tout. Je vais juste parler de la liste d'amis qui n'est pas dans le jeu, qui aurait dû être dans le jeu, mais suite à certains problèmes en fait qu'ils ont découvert au dernier moment, ils ont préféré repousser la liste d'amis. Mais c'était un problème très particulier, donc je suppose qu'une fois qu'ils l'auront réglé, on devrait avoir la liste d'amis. Donc sans trop m'avancer, d'ici le mois de décembre, enfin d'ici mi-décembre, je pense, il y a de grandes chances pour connaître des nouvelles et que la liste d'amis tarde pas trop. Ok, bon, Voilà. c'est plutôt une bonne chose, hein. Si le truc avait un problème, je préfère qu'il le délaye à plus tard plutôt que de nous le mettre et que ça fonctionne mal. Je suis plutôt ok avec ça. Et voilà, du coup, pour parler un petit peu de l'événement anthologique historique, sans revenir sur tout ce qu'on a dit dans la vidéo, il y a deux formats qui se sont ouverts à nous en historique. Il y a le format ladder dont on a parlé qui va durer environ 3 mois jusqu'à la sortie de Terros, il me semble, où vous pouvez jouer en Deux BO3. mois, 2 mois du coup. Ouais, 2 mois du coup, jusqu'à la sortie de Terros, qui est fin janvier, 19 janvier, un truc comme ça. Vous pouvez jouer en BO3, et cet événement-là, c'est pour jouer en BO1, pour farmer des cosmétiques sur les nouvelles cartes historiques. Et voilà, c'est un peu récréatif, c'est bien pour tester les decks et un petit peu définir ce qui est méta pour pouvoir ensuite jouer un deck en BO3 sur le ladder classé. Voilà, les petits cosmétiques qui sont plutôt jolis en plus. Ouais. C'est des cartes qui sont plutôt sympathiques qui nous sont offertes, donc ça fait plaisir. Dont trois Et vous rares. pouvez aussi acheter avec des gold et non pas des gemmes les autres cosmétiques dans la boutique, très important. Pour 9000 gold, vous avez les 5 autres cartes, parce qu'il y en a 20 en tout. Donc bah moi, je les ai tous achetées déjà, et donc j'ai toutes les nouvelles cartes historiques en full art, alors qu'il y a des cartes que je n'ai pas encore. J'ai crafté les Communion Co et j'attends les rares, j'attends de craft les rares suivant s'il y a des decks qui les jouent ou pas. Les cartes, voilà, je vous les remontre quelques instants. Elles sont là, voyez, elles sont toutes full art, là, elles sont belles, wow. Si jamais vous les avez envie de craft, je le redis, je pense que c'est rare en devenir. Libérateur des cryptes, Arène Phyrexiane, Sceptre Hypnotique et allez ouais, Fauna Shaman, c'est un peu les cartes. Ouais, Pierre de l'Esprit aussi. Je parle des rares, ouais, Pierre de l'Esprit ouais, aussi. Ouais. Ah, d'accord. C'est bon. Ouais, Communion Co, vous pouvez craft, ça c'est tranquillou. Ok. Mais voilà, ça c'est un peu les 5 rares qui ont le plus de chances d'être joués rapidement. Voilà, alors que Captain Cissé et Cavalier de King's Bayel et deuxième rite de Hidetsugu, Ouais, ce sera moins plus chance. du junk deck, toi. Voilà, et réacteur. Deck. Voilà, réacteur, ça je pense qu'il faut pas le craft du tout pour l'instant. Ouais, je pense que c'est pas très bien. Voilà, on va partir du coup sur une boule d'elfe. Elle est où? Elle est là. Elle ressemble beaucoup à la decklist qu'on avait présentée il y a un moment avec forcément quelques upgrades. Ouais, en mieux quand même. En mieux, oui. Par contre, elle est beaucoup plus solide puisqu'il y a Nissa déjà Ouais, dans la carrément. liste qui fait plaisir. Il y a toujours la synergie donc avec plein d'elfes. Toutes les créatures sont des elfes sauf le sanglier pour booster Marwyn qui va nous faire 1 million de mana. Les 4 visionnaires elfes, parce que c'est des bons tours 2 qui font piocher une carte. La parfaite impérieuse qui permet de buffer les autres elfes et de créer des tokens 1-1. Du coup, si elle est là, ça fait des tokens 2-2. Les tokens sont un peu moches. Voilà. Par contre, je peux le dire, ils sont pas Ouais, ça incroyables. va, je trouve. Le dessin est beau en fait, c'est la gueule du token qui est pas très stylée. Je trouve pas ça très très beau. Bon. Disons qu'un elfe, la définition d'un elfe, c'est une créature au corps parfait. Ouais, mais je suis pas d'accord, je trouve que le dessin, les traits du dessin sont vachement stylés. C'est juste la Oui, représentation de l'elfe qui en est faite qui est bizarre, ouais. c'est vrai que le talent Mais de le trait, dessin tu est sais, il a joli. un peu Rebecca Gay dans l'idée, moi je valide. Hein. Il est plus Dominique Domingo là, mais ouais. Ouais. Mais ouais, je vois, Mais ouais. c'est cool. Par contre, la parfaite impérieuse est magnifique, hein. Il faut le dire en full artwork comme ça. Très très beau. Autour de ça, du coup, on a Meneuse de Clan Elf bah, qui permet d'être un lord et d'aller se chercher en plus, enfin d'aller chercher ses copines. Ça fait plaisir. Champion Feuille Acier qui met une énorme pression. Vraiment, des fois, j'ai joué ce matin, du coup, j'ai fait l'événement. Vous le posez, le mec fait ah ben bah, voilà, il est mort. Il a que des créatures à 1 et 2, notamment ceux qui jouent Réanimator avec des chats, des fours, des approvisionneuses, etc., qui veulent faire de la belle magie. Champion Feuille Acier, voilà, ils Ouais, vont vraiment rien rien pour faire. casser la belle magie. On casse tout ça. Elfe de la Noire, bien entendu. Druidesse de Paradis qui sont les rampeurs. Il était une fois qui permet d'aller chercher les créatures comme Marwyn et Chuchoteur de Bêtes qui sont très importantes. Summum de la Destruction, c'est le kill avec l'avant-coureur. Soit vous avez avant-coureur, vous jouez, vous gagnez. Soit vous avez Summum, vous allez chercher l'avant-coureur, vous jouez, vous gagnez.
Et ça, c'est Ouais, bien. c'est encore plus punitif avec Summon parce que votre board prend plus 10, et Ouais. donc du coup, il y a vraiment une espèce de létal venu de nulle C'est part, ça. obligatoire. Alors que Sachant le mec peut que survivre d'avant-coureur, tu vois, selon son board. si vous avez pas enfin si vous avez pioché avant-coureur par exemple, vous pouvez faire un summum à x égale 10 et aller chercher quelque chose qui coûte moins. Vous pouvez aller chercher un shooter de bête ou un champion de feuillassier. Et quand même attaquer avec votre board qui aura plus 10. C'est juste qu'en fait l'avant-coureur donne le piétinement. C'est ça C'est qui est ça. intéressant. Mais si vous avez beaucoup de créatures par rapport à votre adversaire, juste faire summum à x égale 10, ça gagne aussi. Hein. Donc Ouais, c'est c'est la fort. victoire assurée. Donc, c'est un paquet qui est assez rigolo, qui veut juste jouer un maximum de mana pour pouvoir caster un summum tout en créant beaucoup de board et en générant de la value avec le chuchoteur. C'est presque un deck combo. Ça ressemble un petit peu, alors de très très loin, à ce que Elf veut faire en Legacy, mais de manière quand même vachement plus fair parce qu'on n'a pas ce fameux terrain incroyable qui est Berceau de Gaïa. Mais du coup, ça a l'air assez solide. Ça a l'air d'être un bon contender du format historique si les Vras sont pas trop présentes pour le coup. Ouais, exactement. Et deux châteaux de guerre en briques du coup dans les Landes, histoire de faire potentiellement encore plus de mana, puisque ça marche sur tout sauf Summon et Nissa, donc c'est quand même pas mal. On passe au side, même si on connaît pas le format, on a créé un side histoire d'eux, si jamais vous voulez jouer en Ouais, en BO3 avec. attendant de. N'hésitez pas, le side ne sert à rien, en tout cas dans l'événement, parce que c'est un événement BO1. Sanctuaire des Modeleurs, ça permet de piocher une carte à chaque fois qu'un adversaire cible nos créatures. Donc en début de partie, contre les decks aggro ou contrôle, ça va nous permettre de nous refaire un peu une main. 4 vols de l'été, bah, trop fort. Là, vous savez, ça a été banni en standard, c'est très très fort. 4, 3 lieutenants d'épines, c'est bien contre Monored, parce que c'est une bonne bête qui a un bon body défensif et qui, quand elle est ciblée par un sort, crée une 1-1. Donc, très cool. C'est Retour à la ça, puis ça nature, prend pas choc surtout. ça prend pas choc aussi. Retour à la nature, sage du reboisement, ça fait un peu la même chose. Retour à la nature, ça permet de gérer également des cartes de cimetière. Ça peut avoir un intérêt supplémentaire, notamment contre les décrets animateurs, j'en ai déjà croisé 3. Et bête de quête. À voir s'il en faut plus, mais ça répond très bien au deck. Mince, qui joue des Nexus. fogs. Voilà, Nexus par Ouais, exemple. par exemple. Sachez que les blessures ne peuvent pas être prévenues. C'est pas les blessures de la bête de quête, c'est les blessures de vos créatures. Donc, c'est pas juste j'attaque avec bête de quête, non, j'attaque avec tout. Fog, Non, tu te le voilà. mets là où je pense et t'as perdu. Donc très Voilà. important, peut-être même plus de bêtes de quête. Si moi, de mon avis, c'est que Nexus Réclamation est un des meilleurs decks du format, donc forcément les bêtes de quête vont être vraiment très très importantes pour le coup. Yes, est-ce qu'on est parti, Val? Allez, vas-y, let's go, c'est parti. À préciser que Nexus du Destin est banni en BO1 pour cet Ouais, événement-là. Il n'est écris-le pas là-bas. banni en BO3, attention, mais il est banni pour cet événement-là. Exact. Et également, on l'a pas dit en début de vidéo, mais si vous voulez nous soutenir, bah, il y a toujours la page Utip dans la description. Et il y a également dans la description la boutique, le lien de la boutique Magic Bazar. Vous pouvez nous soutenir en commandant du coup sur leur site avec le code VALEPL2019. On va l'utiliser en tant que code de réduction, donc ou code promo, je sais plus, au moment de la commande. Qui vous donne accès du coup à un booster à partir de 10 € d'achat ou 3 boosters à partir de 50 € d'achat. C'est valable uniquement sur votre première commande. Et voilà, ça nous soutient. Donc merci à tous ceux qui vont utiliser ce code ou qui l'utiliseront. Merci beaucoup. C'est parti. Allez, let's go. Et je On va bois un petit rosser peu d'eau. deux, trois personnes. Là, ça va vite en plus les games avec boule d'elfe. Ah, j'ai dû mettre 30-40 minutes à faire Ouais, l'événement ce matin. ça a l'air bien quoi. Bah, si tu prends pas Vras, tu vas finir par gagner quoi. Ouais, ah, c'est même pas finir, c'est que tu vas gagner très vite même. J'ai même une game où j'ai pioché 8 landes alors qu'on en joue 20. Pas grave. Alors, au bout d'un moment, j'ai Bon, pioché un ça truc, c'est arrive. fini. Ça arrive là, c'est en BO1, il y a le sélecteur de main. Peut-être qu'en BO3, il faudrait jouer un ou deux landes de plus. Mais bon, on verra. Bon, cette main, elle est ok. Ouais, on a de l'accélération. Là, il était une fois pour aller chercher Marwyn ou le Une Chuchoteur. carte clé, ouais. Ou Chuchoteur. C'est vraiment les deux cartes clés. Marwyn pour faire du mana sur Summon et Chuchoteur pour juste générer une value complètement insane. Ah bah, très bien ça. Alors, il était une fois, si je le fais, j'ai pas de meilleur land et j'ai juste Elf de la Noire à aller chercher. Donc, c'est J'avoue quand intéressant même. de Moi, je le pense délayer quand au même. tour d'après, sinon. Ah, moi je trouve pas parce que tu peux faire champion tour 2 si tu trouves Elf de la Noire. Si je trouve, je trouve Elf, je fais champion tour 2, effectivement. Ouais, On va donc tenter. on va quand même tenter. On l'a pas, on sait pas ce C'est que pas joue le très grave. monsieur, donc je vais attendre plutôt de prendre meneuse en général. Ouais, bah comme ça t'as deux solutions en fait. Au lieu de te commit dans double champion, on a un peu plus de polyvalence, je dirais, à prendre cette Ouais. meneuse. En fait, vu que j'ai 3 autres elfes dans la main, meneuse va sur le long terme être plus agressive que champion. C'est ça. Ou Ouh là alors, là là là, ça joue les 4 couleurs couleurs du en face. monsieur. Ok. Il y a son Alkil qui est là. Ici, on va faire une petite druidesse, tranquillou. C'est vraiment pas grave de pas faire elfe de la noire, parce que si vous avez pas Marwyn ou champion de feuillacier, c'est juste un accélérateur tour 1, mais
C'est pas ouf de le louper, quoi. Ce matin, j'ai dû le faire une seule fois, le tour 1. Qu'est-ce qu'il est en train de Pas nous jouer, trop. là, notre adversaire? Il nous joue une version 4 couleurs de Guzoko. Ouais, Intéressant. c'est super stylé pour l'instant. On a 4 manas, donc je pourrais faire Druidesse Visionnaire. Je crois qu'il faut que tu maximises à fond la mana. Je pourrais Ah, faire quoi que tu peux faire Champion champion elfe. Elfe. Ouais, Mais je suis assez Champion d'accord, est ouais. déjà bloqué par Ranger, même s'il n'est pas matché. Ouais, mais il n'est pas matché. Moi, je ferais champion elfe et tour d'après, t'as meneuse, visionnaire. Enfin, tu sais, essayer de commencer à juste être mana efficient, faire un maximum de mana et tuer sur summum, quoi. Attends, Avant tant que lui que fasse des choses débiles. son deck normalement devrait pas jouer de Vraas, à part peut-être Dessalement Dessein. Donc ça devrait bien se passer. Assez classique. Putain, il mixe le meilleur des deux standards, j'adore. Formidable. Ah, ça c'était ton deck préféré un peu là. Ouais. Mais j'ai fait quelques tests ce matin de certaines choses en historique. Franchement, il y a des trucs très très lourds que je te garde secret Oh. pour le reçoit de ce soir à 20h, si vous voulez nous voir nous affronter d'ailleurs, sur la chaîne Twitch. Exactement. 4, 5, 6, 7 mana. Je peux C'est faire pas bon meneuse, encore. ça servira pas à grand chose. Ah, oh, si je peux attaquer avec meneuse. Voilà, c'est gratuit, hein. Est-ce que tu vas aller matcher Oko ou tu vas aller dans la tête? On va matcher Oko ou Ah non, pas? c'est plus un elfe, c'est plus 4-4. Ah! Ouais, je vais quand même Donc il attaquer faut que Oko. tu trades quand même, hein. C'est plus un Ève, donc autant le perdre ce champion. Il te Ouais. le donne. Bah, je Ça prends. fait vite du board quand même, hein, ce bordel. Ouais. 3. Non, 1, 2, 3, 7 mana. Avec Nissa, t'as Avec Sanguine Nissa, en deux tours. ah, j'ai en 2 tours je tue là. Ça va vite quand même, hein. Bah, Pour le c'est pas coup. mal. Au tour 6, on a un board qui va lui mettre genre 30 quoi. Ouais, ah ça c'est un peu Ok, relou. je Un petit tue la peu. meneuse. Mais il attaque pas ma mana, donc moi ça me dérange vraiment pas. Là, je vais Go. faire Nissa. Tu dégages. Ah, tu peux dégager un land. Dégager un Est-ce que land. tu proposes 3 points dans. Où Non, tu peux maximiser. il va trade avec son loup et ça m'empêche de faire summum donc. Ok, go. Alors t'as raison. Faut juste déposer Druides et gagner le tour d'après. Je vais poser avec ma forêt. Sachant que c'est du BO1, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas de contre ou pas de moyen d'interagir avec ton summum et que ça te fasse juste win en fait. Ouais. J'engage pas mes druides parce que si jamais le coquin joue des fins de la Légion, d'engager ma Ouais, tu druides, vas je être très perds des déçu. 3. Wador, ok. Oh, pour l'instant, ce qu'il fait, on s'en fout. C'est incroyable. Il peut C'est encore incroyable. faire une meurtrière. Cavalière meurtrière. Ça serait relou pour le coup. Après, Il vole une forêt, ouais. ouais, ça suffit ou pas pour Alors 6, j'ai 8, 9, 6. 10, 11. Ouais, ça suffit, mais t'es obligé de donner une de tes forêts, d'engager une de tes forêts. 6, 7, Donc, du coup, 8. en fait, c'est un peu nul parce que si tu fais ça, t'engages tous tes producteurs. Ouais, en fait j'aurai plus rien qui va attaquer, j'aurai ça, qui sera 12-12, et le sanglier. Ah, oh, est-ce que c'est pas ok en vrai? Moi, je délaierai encore d'un tour, mais je suis pas persuadé de. Alors, attends, je relis. Ouais, je crois que si je vais chercher sanglier, je mets quand même une énorme sauce. Hein, et ça, ce sera 11-11 pétillement, et le sanglier, il sera 17-17. Ouais, mais est-ce que ça fait létal? Ça met 26 et il a 7 en cul. Ah, il était one off s'il donne tout son board. Franchement, je prends. Hein. Ouais, vas-y, prends. Je le voyais pas aussi véhément, tu vois. Hop, Écoute, paiement en tour. soyons véhément alors. On va chercher L sanglier. Hop, je l'ai vu passer. Il est là. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est Oh mon 13-13 dieu, même. c'est génial. Ah bah Hop. donc c'est létal. On attaque ici. 30 points. Ah, il peut En avoir fait ça rend très fort parce que ça l'interaction. donne le piétinement et ça il peut rien y faire quoi. Facile. Easy quoi. Oh le Oko on lui a dit t'étais le roi du standard en historique, t'es une Allez, petite merde. Voilà. tais-toi. Rentre chez toi Oko. On s'en refait une petite, on va faire quelques games Oh bah vas-y. tranquillous. C'est histoire Ça c'est vraiment un de vous. tuto. Ouais, c'est un tuto, ouais. Alors, c'est pas C'est un deck How to budget pour le farm. coup, parce que il y a quand même pas mal de rares. Et il y a 4 mythiques. Mais franchement, le deck est sympathique. Ouais, si vous avez les cartes, si ça vous demande pas de wildcard, pour farmer l'événement, le deck est vraiment fort. Ça montre aussi que les cartes qu'ils ont ajoutées dans Elf, bah c'est pas mal. Même si là, c'est pas avec ça qu'on gagne, mais d'avoir un Lord de plus, d'avoir la visionnaire Elf qui est Elf, qui marche sur Marwyn, qui fait piocher une carte, vraiment c'est très sympa. T'imagines, on joue même pas Fauna Shaman, beaucoup trop lent, quoi. On joue même pas Fauna Shaman, ouais. Au début, on avait essayé de builder Ah, avec. s'il n'y avait pas Summon, on jouerait Fauna Shaman pour aller chercher le sanglier.
Ouais, Mais là, il y a carrément. On Summon, avait donc. aussi essayé de builder avec les lignes vertes, mais on s'est rendu compte que ça prenait trop de place dans le deck. Ouais, c'est le problème, c'est que tu réduis tes elfes. Si tu veux l'inlay, tu veux plus d'elfes qui rampent, donc du coup, c'est pas des elfes agressifs. Bah, c'est surtout que tu joues pas Nissa si tu joues l'annuler, quoi. Ouais, et ça, c'est un peu dommage. On a le droit de faire Elf T1 nous aussi un jour. Par contre, j'ai l'impression que ça a l'air bien de faire Oko T2 avec 8 accélérateurs tour 1 dans les decks que nos adversaires jouent. C'est sûr. Genre 4 Once Upon a Time, 4 Goose, 4 Oko et 4 Elf de la Noire. J'ai l'impression que les mecs jouent pionnière. Tu vois ce que je veux dire? Un peu. Oula, il nous met toute sa main, lui. Ouais, il est en train de dégueuler quoi. Oh, s'il a Ouf. encore une. Ça aurait été trop beau. Il s'est arrêté là, fort heureusement. Ah, j'aime bien comme ça Après. ces nouveaux formats parce que là, tu découvres aussi ce que fait ton adversaire et c'est trop bien. Ouais. Après, ce qui est bien là, c'est que c'est pas un deck qui va trop interagir avec moi. Et Non. moi, ça me plaît ça. Oh, parfait. Ouais, va falloir vite être débile quand même. Parce que lui met quand même Donc quelques là. points quoi. Il interagit Alors, pas mais 1, je 2, sais où il 3, va quoi. 4, 5, 6, 7, 8. On l'a déjà 8 mana, ton prochain. On va faire Ouais, on peut. chuchoteur, visionnaire. Marwind va commencer à être très grosse. Oh, ça va être de la bombe. Waouh. On prend Il cher donne tout là. quand même. Ouais. Hein. Bah là, on prend 9. Bah ouais. Hein. Et là Et maintenant, faut assist. stabiliser. Exactement. Alors déjà, je vais Allez, tout faire cas. chuchoteur. Il faut que je Vas-y. pioche. Je vais faire Visionnaire. visionnaire. Pioche une carte. C'est pas Repioche mal une tout ça. carte. On a 4 mana. On peut faire un champion qui va matcher la bête de quête. Je crois que c'était le play. C'est Est-ce pas qu'on est mal. mort? On est mort s'il a une Impérieuse. interaction. Impérieuse va buffer sinon les autres créatures de notre board et fera plus de mana sur Marwyn. Impérieuse c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux, ouais. S'il gère pas Impérieuse en plus on pourra bloquer la bête de quête avec le shooter. Ok. Ouais, c'est peut-être mieux. Oh, ce matin, dans ces decks-là, ça joue Phénix Oh Ravivé avec parfait. Umber J'allais Cube. dire si je Et pioche Elden Ward, c'est trop bien, regarde ça. ouais, tu vas pouvoir jouer une Hop bête, là. un bloquant supplémentaire. Et du coup, ouais, je me suis pris Phénix avec Umber Cube. J'étais là en mode, wow, c'est le meilleur de ce que fait Rouge en deux standards, quoi. C'est fou, on est tour 4 là. Ouais. J'aime bien avoir 7 créatures tour 4, dont aucun jeton. Ouais, après, on n'a pas gagné. Hein. Attention, là, s'il a une Ouais. interaction, on est mort, je crois. Non, on n'est pas mort avec interaction, mais on n'est pas bien. Mais c'est pas grave, moi je me suis amusé, j'ai fait plein de trucs. Oui, c'est vrai. Et il a commencé, il a eu elf tour 1 en plus. Ok, on bloque Aïe, plus aïe, bête de aïe. quête. On va être obligé de donner notre board ici. Ah Ah ben ben non, on on est mort avec a. les dégâts piètres. Pas comme ça. Je prends 5 Non, là. comme ça, on n'est pas mort. Oh, c'est moche, hein. Mais vas-y, hein, il faut. En fait, de perdre chuchoteur, ça nous met très très mal. Ouais. Faudrait top decker chuchoteur maintenant. Alors Marwyn fait. Alors on a combien? 6, 7, 8. Et on a 12 mana. On peut faire Nissa. Ouais, faut que ça paye avec Marwyn par contre. Parce que là, ça allait payer avec tes manas. Effectivement. Ça te permet du coup d'avoir beaucoup de forêts, enfin beaucoup de manas doublées du coup. Ouais. On peut peut-être survivre encore, hein. On peut faire ça du coup. Ouais. Ça. Ça. Dégager un terrain. Ça. Et est-ce qu'on bloque le bord là? Alors il a 5 attaquants, on a 5 défenseurs. Ouais, tu pourrais même décider de. Ah, moi De j'aurais quoi? peut-être posé Marwyn en bloquant. Alors si je posais Marwyn, bah, je perdais un attaquant. Comment ça tu perds un. Ouais, dans tous les cas on perdait. Comment On l'a ça tu perds perdu. un attaque? Tu avais un bloquant en supplémentaire en fait. Mais non, ça coûte 3 Marwyn, donc ça m'engageait forcément une de mes créatures. Ah d'accord, ok. Ouais, donc c'était pas bon. Oh vas-y, relance, ça va vite. Oh, je relance. Ouais, lui, du coup, il a trouvé enfin, il a fait un départ de ouf, tour 2, il a posé 3 bêtes, je crois. Il a fait elf dans Fauna, dans. Non, non, dans Burning Tree Emissary. Ouais, et dans Pell Pell Collector. Collector. Ah non, il a posé que 2 bêtes, ok. J'ai l'impression que c'était plus vénère. Là, on a Mulligan. Ah bah super, Très bien. ça dégage. Il nous manque un land et on fera Nissa tour 3. Ouais.
On saura le faire, je pense. Ouais. Ah, on commence pas, c'est dommage. Oh, bah non, je sais ce qu'on va faire, tour 3. Du coup, tour 2, on va faire ça. Ouais, tour 2, ouais, ça va aller beaucoup plus vite. Si je pioche land, je mets druides par contre. C'est envisageable, ouais. Après, fais attention, les couleurs qu'ils jouent, c'est les couleurs du contre. Ouah, c'est pas risqué quand même. Ouais, ah, ça je, va je le crois faire. Que je serai tour champion et je gagne en 4 tours si, si fait, ton adversaire est mou. S'il me fait gestion sur champion ou alors boons, voilà. J'étais pas bien. Ouais, c'était pas horrible. Hein. Ouais, là du coup, des tu fais rien. Non, moi là, je ferai champion et 2 points d'antef. Je peux faire elf meneuse aussi. Ouais, je préfère champion 2 points d'antef, moi. Allez. Je ferai comme ça, je garderai un maximum d'elfes à jouer si tu pioches un chuchoteur avec tout le mana que tu auras sur Nissa. Ouais. Là, tu lui demandes spécifiquement d'arrêter tes créatures sous peine de décéder, juste roué de coups, tu vois. Oh, je vais le rouer. Ah bah, il faut le rouer. Comme avec un roue-moi si tu peux. Ça sera pour la saison 2. Ça sera les mardis soirs, du coup. On garde le rossmoir, hein, bien sûr. Du coup, je sais pas du si coup, on l'a si dit, vous mais voir des... ce soir, rossmoir l'historique. Je sais pas si on l'a ouais, dit. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, mais ouais. Très important. Oh, ça, c'est le play faible, tu vois, j'adore. Ouais. Si vous voulez voir du bel historique, bah, c'est ce soir. À 20h sur notre chaîne Twitch. Oh, c'est trop bien. Avec le château, je fais 6 mana et je peux activer la capacité de meneuse. Ouais, c'est cool. Effectivement. Du coup, c'est comme si la capacité de meneuse coûtait 4, quoi. Ouais, il bloquera ça, on s'en enfin, fout. Enfin, elle coûte 5, en fait, au lieu de 6. Est-ce que je descends un truc, sachant que c'est le tour de Vras? Oh, ça veut dire qu'il joue Time Wipe dans son deck top Tersai machin, là? Time Wipe ou le truc blanc qui détruit tout, hein. C'est quoi, Nova Sacrée? Ouais, Nova Purificatrice. De toute façon, s'il a ça, t'es pas un elfe près. Bah, en ouais, fait, mon elfe est meneuse. Avec Nissa, je peux aller chercher d'autres meneuses et refaire un vrai board. Ouais. Et là, ça me donne pas l'étal. Donc, Non, c'est sûr. Ah, mais je comprends tout à fait ce qu'il veut faire. Ça a l'air quand même assez drôle avec Ornithopter et tout. Hein. Les gens sont coquinous, j'adore. C'est trop bien. Là, je vais faire ça, par contre. Et tu vas juste le bourrer très très fort. Bah là, c'est simple, ça va être à qui est le plus débile. C'est-à-dire que lui, le tour d'après, il va s'amuser. Et si son amusement n'est pas aussi fort que le tien, bah il va juste perdre. Ok. Il y a pas beaucoup. Non. Mais attention, là, il peut vraiment partir en live. Je sais pas jusqu'où peut aller son deck, mais... Il paye un point de vie, il exit les cartes dessus. Lithoforce. Ah, mon assurance qui me prévient par SMS qu'il y a des fortes pluies et qu'il faut faire attention. Merci. Yes, bien joué. Yes. Eh ben tu vois, il pouvait pas être aussi débile que nous, lui. C'est bien dommage. Je pense qu'il fallait, il lui fallait un ou deux tours de plus là. En fait, il pouvait pas soit gérer, soit développer son truc. Quoi. Allez, on est reparti. Ah, une dernière. Allez, une dernière, c'est parti. La ultima. C'est vrai que ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Je te dis, je l'ai dit sur ton stream, je sais pas si t'as vu. Et je savais pas que tu parlais d'elfe, je croyais que tu parlais d'Umbercleave. Ah non, non. Quand tu m'as vu que tu avais mis un mec à 3 à T3. Ah, avec Umbercleave, ouais. Bah, je fais tour 1 champion fervent. Tour 2, champion fervent, chevalier de la Légion d'Ébène, qui prend un marqueur. Ah, voilà, ok, tu parlais de ça. Tour 2, pardon, et tour 3, là je l'ai mis à 3, tour 3. Mais avec ce deck-là, j'ai mis à tour 7, moins 31. Et le mec était genre à 20, je crois, donc j'ai dû lui mettre 50 dans le tour. J'ai pas vu, j'étais en train de suer pour passer mythique, quoi, mais vraiment, je suais, quoi. Je garde ou pas? Non. Franchement, pas les mains, j'ai elf et je commence. Hein. Ouais, mais... Ah, si la choque sur ton elf, gros, tu vas juste péter un plomb. Après, je peux piocher un land. Oui, mais bon. Non, mais elle est bien, cette main. On va enlever Marwyn et on va le saucer, on va être agressif. Je sais pas si j'en ai Marwyn, hein. Franchement, c'est tellement fort. Ouais, ça se discute. Tu peux aussi enlever champion pour avoir du coup deux cartes, un peu comme dans la première game, être un peu plus polyvalent sur tes choix de... Je pense que, ouais, je vais enlever champion.
Parce que Marwyn, Puisque c'est. double champion, on sait que ça fait gagner. Si tu trouves Elf Tour 1, là, tu vas t'en vouloir. Bon, ça va, t'as pas trouvé Elf Tour Ouais, 1. je reprends champion. Bah ouais. Ça fait plaisir. Hop là. Et j'aurais eu 3 champions du coup. Si j'avais enlevé Marwyn. Et ouais. Mais bon. On pouvait pas savoir. Oh, le mec joue des temples. Il est saut standard, quoi. Oh, il est tellement lent. Ouais, nous on peut jouer des cimetières des sylves et lui il joue ça, quoi. La honte. Putain, Peut-être c'est vrai qu'en qu'il y a BO3 il cimetière des faudrait le sylves. splasher ce deck avec du noir pour avoir des duresses et des trophies, un petit peu comme le fait Elf en Legacy. Ah ouais. Elf, je parle. Hein. Ah bah c'est chiant ça. Ah, mais je sais très bien ce qu'il cherche à faire du coup. Et je peux t'assurer que Waouh. champion ça marche très très bien contre ce qu'il veut faire. Ah bah les zombies ça aura jamais bloqué des 5 ou 4. Voilà, et ça les bloquera jamais. Hop là, go. Par contre, lui, il va jouer des Vraasses, malheureusement. Si je mettais Marwyn, tour d'après, je pouvais faire deux champions. Ouais, ça revenait un peu au même. Ouais, faut commencer à l'agresser maintenant parce que. Ah bah non, mais je pourrais Parce de qu'à la toute première Vraasse, on va perdre. Oh, le mec joue Golos, quoi. Lui, il joue pas en historique, hein, il joue juste un standard où les cartes sont pas bannies. façon. Ouais, c'est ça. En fait, il voulait lancer une game et on lui a dit non, non, mais c'est banni là. Il a dit ah merde. On lui a dit, mais tu peux aller jouer là-bas? Bah, du Oh, coup, je vais là-bas super! là. Je vais voir ce qu'ils font. On lui a dit, ouais, tu sais que tu peux jouer Dominaria Ixalan. Il a dit, ouais, je m'en cague. Rien à foutre. Il y a des portes là-dedans? Ah bah, j'en ai rien à foutre. Oh, c'est bon ça. Oh. Ah, dommage, je peux pas faire ça à une bête. Non, mais fais d'abord chuchoteur quand même, hein, je pense. Hop là, 5 points. Faut juste châter le fait qu'il ait pas de Vraasse. De toute façon, si la Vraasse, on aura perdu, tu peux pas tourner autour. Le but de notre deck, c'est de vomir ta main sur le board. Donc, y aller à l'économie, c'est difficile, quoi. Franchement, je suis J'ai chili, envie je de jouer. grince pas. Ah si, il a Time Wipe là, je l'ai vu. Tu l'as vu, Time Wipe? Ah, j'ai vu, il a touché le Pêcheur, il a touché ses landes. Ouais, il a peut-être Humbercleave, mec. Il met deux le Pêcheur. Ah, Shooter. Ah, s'il prend pas Ah, chuchoteur, c'est champion. la bêtise. Ah bah, je suis content, écoute. Allez, Ouais. 6 mana. L'erreur du joueur. On va faire Marwyn. Résolution. Et champion. Champion. El campeón, hein, puisque ça avait l'air de lui faire peur. Marqueur, forêt. Pas l'attaque. Bon, là, il devrait pas avoir Vraasse, sinon il aurait pas fait agent de traîtrise. Ou alors, s'il veut faire Vraasse pour récupérer agent de traîtrise, et dans ce cas, il est juste extrêmement mal élevé et mal poli. Ça arrive, hein. Il en faut des mal élevés. Il faut des Ouais, mal c'est vrai. autrui même. Hein. J'aime bien ce mot, mal autrui. Il y a plein de mots que j'aime bien. Mal autrui, ça ressemble à mal au trou. Ouais. Et pour le coup, ça n'a rien à voir. Quand t'as mal au trou, c'est quand t'as mangé KFC, non? T'as pris le Tower Zinger là, t'es pas bien quoi. Ouais. J'en ai Ouais, mort. ça y est, il commence, lui. Ah bah ça c'est Peut-être qu'il joue fort pas ça. de Vraasse. En fait, il est dans un challenge dans sa tête. En mode, je vais essayer de faire plus débile que les autres sans disrupter leur plan de jeu. Je vais mettre d'abord ça. Ouais. Ça va faire piocher. Faire piocher deux même. Fougouille. Oh là, on va vomir notre deck là. Ah bah ça c'est fort. Et bah oui, je t'ai dit qu'elle va en faire du mana. Grave. Tu peux faire le Je forêt. peux faire forêt, Nissa, Non. j'ai des top château. Non, j'ai pas le mana pour le réactiver, du coup je vais faire ça là. Ouais. Ah, Summon, bah, on a bientôt gagné là. Descend Nissa. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, là, c'est all-in. S'il a pas la Vraasse, on a gagné. S'il a la Vraasse, on a perdu. Alors 1, Est-ce que 2, tu 3, peux. 4, 5, 6. On aurait pu jouer le summum en séquençant mieux? Non. Ok. Pas à 12. Ah, oh, si vite! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux faire summum et chercher un truc, mais.
Non, 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 il faut juste dire en mode bah, pas d'attaque, à pas toi. Capable de... Et si t'as ni pas Vras ni de contre, Vras, perdu. C'est terminé. Là, il va faire coup de Golos. Ça sent bon, ça. Il peut plus Golos, là, actuellement. Oula. Oh putain, ça sent très bon, oh, ça. Oh putain, j'ai trois télés. Les trois télés. Oh, est-ce qu'il va prendre, lui? Attendez, là. Il joue pas une vieille botte ou une vieille néguette de derrière les fagottes? Non, mec, s'il fait ça, j'irai moi-même lui mettre une petite calbotte. Allez. 1, 2, allez, la calotte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clique sur Garambri et ça marche normalement. 11. Et non, je peux pas marcher. Ça marche pas, c'est que des créatures ou capacités de créatures. Ah. Bah, pan. Ouais, petit lent. Hop là. À 11. Oh, dis-moi pas que t'as pas. C'est pas possible, il peut pas avoir bot, pas en BO1, tu vois. Ah non, il a rien, regarde. Yes. C'est trop bien. Et ce sera coup, la dernière game de cette moins vidéo. Combien, là. C'est parfait. Là, on dit bien joué. GG. Oh, oh non. Attends, vite, compte. Merde. Ah merde. Comptez chez mettez, vous. Alors. Ah, non, je peux compter, je peux compter. Vous... Non, 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 mais non. C'est les viewers qui vont le faire. Je veux que dans les commentaires, vous nous disiez à moins combien il était. Voilà, exactement. Très je pense important. Qu'il était à moins beaucoup. Et sachant qu'il était à 16 points de vie, et on va prendre en compte qu'il bloque pas, genre parce qu'il a perdu, tu vois. Ah ouais. Ah non, moi je voulais les faire chier les commentateurs. Ah oui. Ouais. Mettez le nombre de points de dégâts total et genre qui est présent sur notre board et le nombre de points de dégâts qu'il va prendre en comptant ouais. le piétinement, en comptant tout, tu vois. C'est ça. C'est un petit puzzle et le gagnant ah c'est aura un petit gagné. Puzzle. Voilà. Le gagnant aura gagné, mais je pense que ça a avoisiné les 120-130. Je peux déjà vous dire que le gagnant gagne le respect des autres. De tout la zone d'espace commentaire. Vraiment, on lui mettra un petit cœur, on le mettra en premier commentaire, en mode le premier qui répond juste, il a raison. Ah, tous ceux qui voient son commentaire avec le calcul juste, attention, il faut que ce soit validé par l'huissier de justice. Hein. Si le calcul est juste, tous ceux qui voient le commentaire doivent mettre un petit like ou alors dire « waouh ». Félicitations, c'était vraiment un très beau calcul. Bravo mec. Bravo pour ce calcul. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que c'était sympathique. Il est trop bien cette decklist. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, commentaire, alors on l'a déjà dit, et partager la vidéo si elle vous a plu, et activer les notifications pour ne rien louper. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description, avec le Discord du format Forgeron d'ailleurs, qui sera toujours dans la description maintenant, je suppose. Je vais le rajouter définitivement. Voilà. Comme ça, ce sera fait. N'hésitez pas également à nous suivre en live sur Twitch et sur ValPL Magic Arena FR. Le lien dans la description. On est en live tous les jours du lundi au vendredi. Soit nous, soit Magic Sachik qui stream tous les mercredis soirs. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la magie.